Le 16 mars dernier, j'ai glissé sur des pavés et je me suis fracturé tibia et péroné, a raconté Mylène Farmer, au cours d'une interview pour Gala, en 2015. Cet accident en pleine rue lui a coûté cher. La principale intéressée a été handicapée pendant de longues semaines. Mais pas de quoi abattre Mylène qui a réussi à trouver en cela, un bon moyen d'être productive depuis son domicile. Immobilisée, j'ai eu tout mon temps pour écrire mon album interstellaire et illustrer un très beau conte philosophique, L'étoile polaire de Michel Onfray, avait-elle confié à nos confrères, à l'époque. Quelques années plus tôt, la star croisait la route de Passepartout qui a fait une apparition dans le clip Tristana de Mylène Farmer, sorti en 1987. Ce dernier s'est récemment livré sur cette rencontre inattendue auprès de Jordan Deluxe. La figure phare de Fort Boyard s'est souvenue d'une personne agréable avec qui il a beaucoup échangé. « On a passé une semaine ensemble, à la chapelle en Vercors, a-t-il dit. Et de poursuivre, elle est très gentille. Elle est comme vous et moi, simple. C'est quelqu'un de vraiment gentil et agréable. » À voir également, Loana aurait réclamé 30 000 euros pour participer aux 20 ans du Loft. La rédaction à lire aussi Les Blocs ADS. Why?